C'est peut-être dans votre travail, ou peut-être même vous n'avez pas de travail, vous n'arrivez pas à trouver cette dignité d'homme. Le Saint-Esprit veut vous consoler. En cet instant, il est le consolateur. Il est celui qui veut vous visiter. Viens, Saint-Esprit. Nous avons besoin
et pour bien agir. Amen. Nous avons besoin de bons indicateurs dans notre voiture et nous avons besoin de bons indicateurs pour prendre les bonnes décisions. Je rends grâce à Dieu de ce que vous êtes présents aujourd'hui pour écouter la parole de Dieu et pour me permettre de prêcher l'Évangile. Vous êtes un don de Dieu pour moi. Oui, vous êtes venu peut-être pour prendre une bénédiction, mais déjà, en tout cas, pour moi, vous êtes un don de Dieu. Et je ne sais pas pourquoi vous êtes venu, comment vous êtes venu. Est-ce que quelqu'un est venu pour vous inviter et vous êtes venu? Est-ce que vous avez été convaincu? Comment vous êtes arrivé jusqu'ici? Vous avez répondu oui à une invitation, certains ont répondu non. Il y a toujours une influence dans notre vie par rapport au choix que nous allons prendre, une bonne ou des mauvaises. Peut-être vous êtes confié à quelqu'un et la personne vous a dit « Mais viens, viens avec moi. » Et demain, vous prendrez aussi des décisions, vous allez devoir agir, que ce soit dans votre vie de tous les jours, sentimentale, professionnelle, mais surtout dans votre vie spirituelle, dans votre marche chrétienne. Vous allez avoir des choix à faire et il faudra être bien conseillé, bien influencé. Alors, qui suivons-nous? En qui nous nous confions? Quelle est la personne qui vient pour nous convaincre de faire telle ou telle chose? Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que Dieu a toujours mis des bons professeurs sur ma route. Vous savez, il faut savoir ce qu'on a et ce qu'on n'a pas. Je sais que Dieu a mis dans ma vie toujours des bons professeurs. Et je rends grâce à Dieu vraiment pour le pasteur Daniel Vintini. Si vous voulez bien juste lui faire quelques ovations. Merci pasteur. Vous êtes un bon professeur. Et je sais qu'il y en a encore d'autres qui vont suivre. Amen. Nous allons être nombreux. Je prophétise sur cette ville de Rouen et de cette ville de Rouen. Vont sortir de grands ministères, de grands et de puissants ministères, ô Saint-Esprit. Parce qu'ici, ils ont brûlé tes filles. Mais toi, tu décides et tu fais ce que tu veux, comme tu veux, avec qui tu veux. La pierre qui était l'angle principal a été rejetée. Ici, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été rejetées. Et Dieu va vous utiliser. Alléluia. Amen. Le oui et le non est à notre pouvoir. Merci d'avoir répondu oui, d'être venu. Merci d'avoir répondu oui à une invitation, ou peut-être oui pour faire quelque chose. Vous vous êtes engagé pour servir Dieu, vous êtes engagé dans le mariage, engagé dans une vie professionnelle, dans une amitié. Vous avez répondu oui. Et le oui final nous appartient. Le oui ou le non nous appartient. Nous sommes libres. Sur cette terre, nous sommes libres. Personne ne nous force. Par contre, il y a toujours avant notre oui ou notre non quelque chose qui vient pour nous influencer afin de prendre cette décision finale. Comme je l'ai dit, il nous faut le bon panneau indicateur. Je ne sais pas si vous aimez ce film, mais moi, je l'ai vu plusieurs fois. Qu'est-ce que j'ai pu rire? Le film de la Grande Vadrouille avec Bourville et Henri de Funès. Un film bien français, mais tellement, tellement géré que je peux le revoir et le revoir encore et je ris. Est-ce que vous vous souvenez de cette scène où ils sont dans la chambre et il y a le chiffre 6 et quand ils claquent la porte, le chiffre 6 se renverse en 9 et ça fait tout un quiproquo avec les Allemands qui sont en train de dormir, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Il faut le bon chiffre pour entrer dans la bonne chambre. Où est-ce que vous avez vu ce film, L'As des As, avec Bébel? Moi j'aime bien Hélène Bouy, ce Jean-Paul Belmondo. Il y a des gens comme ça qu'on aimerait que Dieu mette sur notre route pour leur parler de Jésus-Christ. Dans ce film, c'est aussi pendant la Seconde Guerre mondiale et ils doivent aller prendre une direction et les panneaux tournent, il y a trop de vent, le panneau tourne et change, ils se retrouvent à Berlin devant Hitler. Si nous n'avons pas
ne pompe un nom indicateur dans notre vie, nous ferons échec sur échec. Notre vie ne sera que désastre. Notre vie risque d'être une ruine. Alors s'il vous plaît, en tant que ministre de l'Évangile, laissez-moi vous persuader. Laissez-moi vous persuader qu'il y a une bonne influence pour votre vie, pour que vous puissiez bien penser, pour que demain, vous les jeunes, en plus, vous preniez les bonnes décisions, et que nous, les anciens, nous puissions donner les bons conseils à ceux qui arrivent dans la vie, afin que nous sachions vraiment bien parler. C'est important, et surtout de bien agir. Qu'on ne termine pas notre vie en se disant « j'aurais pu faire ». Je prie et je demande au Seigneur, « Seigneur, je veux mourir étant rassasié de jour. Je veux, Seigneur, s'il te plaît, que le jour où tu me reprennes, vraiment, je sente que je suis rassasié de jour et que j'ai accompli ma mission. » Quoi que nous fassions, il y a toujours une influence qui vient avant que nous prenions notre décision. Il y a toujours un esprit qui vient pour nous influencer. Parce que nous sommes un esprit, nous ne sommes pas un corps. Oh Florence, ben là je te vois, oui, Dieu m'a donné un corps de femme. Mais je suis heureuse dans mon corps de femme. Et mon corps me sert à bouger, à véhiculer, me sert à ce que je peux vous voir. Nous sommes faits à trois niveaux, le corps, l'âme et l'esprit. Et l'âme est le siège de mes pensées, ce que je pense. Ce que je sens, ce que je veux. Mais ce qui demeurera éternellement, c'est notre esprit. Nous sommes un esprit. Lorsque le spermatozoïde de mon papa est venu trouver l'ovule de ma maman, Dieu a pris un esprit et l'a mis dans le corps. Et je suis née, et je suis ici, et vous êtes là, et pour chacun individuellement, nous sommes un esprit. C'est pour cela qu'il va y avoir vraiment des influences par des esprits qui sont mauvais. Et nous allons voir, il y en a trois. Trois esprits mauvais qui viennent pour influencer notre vie, pour nous emmener dans un chemin de confusion, pour nous emmener dans un chemin de désertion et de perdition. Et puis, il y a un esprit qui vient et qui nous mène vers la vie. Est-ce que vous voulez que l'on découvre? Quels sont d'abord ces trois mauvais esprits? Je ne vais pas développer les trois mauvais, je préfère développer le bon. C'est ce qu'il y a de meilleur. Amen. Je préfère garder ce qui est bon. Je ne sais pas si vous êtes comme cela, mais je prends ce qui est bon. Et ce qui est mauvais, je le mets de côté, je le mets à la poubelle. Mais nous devons savoir quand même et différencier ce qu'il y a de bon et de ce qu'il y a de mauvais. Rappelez-vous, si le panneau est mal dirigé, nous n'arriverons pas à bon port. Amen. Paul dira dans Galates chapitre 5, verset 8, « Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. » Je le redis. « Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. » Paul, au verset 9, comparera même cette mauvaise influence que nous allons voir ensemble à du levain qui fait gonfler toute la pâte. La première influence qui vient pour nous ralentir ou nous freiner, pire, nous stopper, est une influence qui vient de la terre. C'est quand, par exemple, vous rencontrez quelqu'un qui ne croit pas en Dieu et qui n'a pas du tout conscience du jugement éternel. C'est une personne qui se lève le matin, c'est une personne qui va travailler, c'est une personne qui a des temps de joie, des temps de pleurs, et qui se couche. C'est un peu le métro boulot dodo. C'est une personne qui ne pense juste qu'à vivre sur terre, c'est tout. Après, il n'y a rien. Pas d'espérance. La deuxième influence, c'est l'influence charnelle. Ce sont des
personnes qui sont animées d'un esprit qui fonctionne selon ce qu'ils voient, selon ce qu'ils entendent. Ils ne marchent pas par la foi, comme nous dit Paul dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Ils marchent par la vue. Ils s'appuient sur ce qu'ils ressentent, sur ce qu'ils sentent, sur leurs sentiments. Je ne dis pas que c'est complètement mauvais, mais ça ne va pas très loin. Et la troisième influence, c'est l'influence, ça celle-là je pense que plusieurs pourraient l'avoir trouvée, c'est l'influence diabolique. C'est lorsque nous rencontrons des gens qui ne croient pas en Dieu et qui sont poussés à parler, à agir selon des mauvais esprits. On appelle ça des démons, selon des esprits vraiment des ténèbres, selon le royaume du diable. Bon, peut-être que vous êtes venu ici pour la première fois dans une réunion évangélique et vous vous dites, moi je ne sais pas trop, je ne crois pas trop aux forces du mal, aux forces des ténèbres. Je vois un peu ça à la télé, mais je ne crois pas trop. Vous inquiétez pas. Les ténèbres, eux, ils vous connaissent. Ils savent que vous avez un potentiel en vous et que vous pouvez détruire. Vous pouvez détruire leurs œuvres et faire reculer, ralentir le royaume de leur maître le diable. Qui vous a arrêté de courir? Paul nous dit, vous couriez bien. Voilà que on marche, et d'un seul coup, sur la route de notre vie, quelque chose nous bloque. On ne peut plus avancer. On voudrait, mais c'est un peu comme si tu viens dans le chemin d'une forêt, et là, un gros arbre est tombé devant toi. Je ne sais pas si vous avez la force, mais moi je n'ai pas la force. Impossible. Il va falloir contourner l'arbre et nous allons perdre du temps. Il y a des fois on perd beaucoup trop d'années. Les années passent vite. Je me souviens encore ma mère hier qui me disait, j'avais 13 ans, Florence, tu verras, ça passe vite une vie. Les années passent. Il est temps de nous réveiller. Il est temps d'agir et de servir vraiment notre Seigneur. Peut-être tu étais déjà en train de courir, tu courais et quelque chose t'a stoppé. Peut-être tu courais et finalement là, oh, tu t'es fait une entorse et tu ne peux plus courir. Peut-être tu cours, ouf, et tu es essoufflé de cette vie. Tu en as marre, il y a des choses, ça s'arrête. Tu ne veux plus te coucher le soir en t'endormant et en pleurant. Tu ne veux plus lorsque tu te lèves le matin. Quelque chose qui est là comme une chape qui te pèse. Qu'est-ce qui vous a arrêté? Vous couriez bien. Ces trois influences mauvaises dans notre vie, ce sont ces choses-là qui viennent pour nous empêcher d'être heureux, de réussir notre vie. Voilà que le matin, on se réveille plein d'entrain. On se dit, oh, aujourd'hui, je vais repeindre la maison. Oh, aujourd'hui, je vais laver la voiture. Oh, aujourd'hui, oh, tiens, je vais passer un coup de fil à telle personne. Ça fait tellement longtemps, je n'ai plus de ses nouvelles. Oh, là, ça y est, je suis décidée. Je vais appeler mon tonton et je vais lui demander pardon. Ça fait tellement longtemps, je ne l'ai pas été le visiter, c'est pas bien. Vous êtes plein d'entrain. Vous avez décidé de passer une heure, une matinée dans la parole de Dieu, à prier. Vous êtes engagé tôt le matin et vous dites, je vais le faire, je vais réussir aujourd'hui à faire quelque chose de bien dans ma vie. Et voilà que vous vous couchez le soir. La maison n'est pas peinte. La voiture n'est pas lavée. Le tonton n'a pas eu son appel. Vous n'avez même peut-être même pas ouvert la Bible ou exprimé même une simple prière à Dieu pour le remercier parce que déjà vous êtes en vie. J'ai fait mes courses il y a 2 jours. J'ai vu une petite mamie. Je n'avais jamais vu ça. Ça m'a touché le cœur. Elle avait ses 2 mains qui étaient complètement atrophiées. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi
créature qui était complètement désaxée. Et je lui dis, mais comment vous allez faire pour passer vos courses? Elle me dit, d'habitude, je vais là-bas et on m'aide, mais là, je ne sais pas, je me suis mise là. Alors, je l'ai aidée. Et j'ai commencé à lui parler de Dieu. J'ai dit, vous savez, le Seigneur peut vous rétablir tout cela. Comment le diable rend les gens déformés? Comment il contracte tous ses muscles, il déforme tous ses os. Ce n'est pas Dieu. Dieu, ce qu'il crée, c'est beau. Vous êtes de belles personnes. Il est temps de vous aimer tel que vous êtes. Ce que Dieu a fait est beau. Regardez la nature. La nature est belle. Ce sont nous les hommes qui, avec notre pollution ou les choses, ne prenons pas soin. Il est temps d'être bien influencé. Il est temps de comprendre qu'est-ce qui vous empêche dans votre vie pour continuer de marcher, pour continuer de courir. Quelle est l'interférence qui est là dans votre vie qui vous empêche d'être heureux? Est-ce que cela vient de la tête? Est-ce que cela vient de notre chair? Ou est-ce que cela vient de notre ennemi, de l'ennemi de notre âme, du diable? Et puis il y a une bonne influence. La bonne influence est la seule. Alléluia. C'est la personne du Saint-Esprit. Dieu le Père est dans le ciel, il est assis sur son trône. Dieu le Fils, Jésus-Christ, est assis à la droite de Dieu dans le ciel. Mais celui qui est là et qui vient et qui vous convainc, qui vous parle, qui réveille votre conscience aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Il est la seule bonne influence dans notre vie. Il est celui qui réveille notre conscience. Souvenez-vous, je vais vous poser une question. Comment connaissez-vous le cœur de Dieu? Comment avez-vous rencontré Jésus-Christ? Est-ce que c'est par vos raisonnements? Est-ce que vous croyez que c'est par vous-même? Ou est-ce que vous croyez que ce sont les démons qui vous ont révélé l'amour de Dieu? Il n'y a qu'une seule personne, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est ici le seul représentant de Dieu sur terre. Seul le Saint-Esprit aura une bonne influence pour nous. Vous savez pourquoi? Lisons ensemble Galates 5, 22. Parce que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix. Parce que le fruit de l'Esprit, c'est la patience, la bonté, la bénignité. Parce que le fruit de l'Esprit, c'est la fidélité, la douceur et la tempérance. À chaque fois que nous manifestons les traits du caractère de Dieu, ces traits-là du caractère de la personne du Saint-Esprit, nous sommes sous l'influence de sa personne. Nous sommes sous la bonne influence. Alors à chaque fois que nous pensons, que nous parlons, que nous agissons avec haine, avec méchanceté, avec rancœur, avec tristesse, avec dureté, avec méchanceté, avec colère, à chaque fois que nous pensons, que nous agissons et que nous parlons avec peur, inquiétude, avec vengeance, avec déloyauté, infidélité, nous sommes sous les trois influences que je vous ai citées. Mais nous sommes sur terre et nous avons en Jésus-Christ le pouvoir de repousser ces trois influences. Alléluia. Nous avons le pouvoir. Jésus-Christ nous a ouvert le ciel. Il est possible pour nous de repousser tout cela afin de pratiquer le bien, afin de faire du bien, de partager à ceux qui sont autour de nous, afin de devenir des témoins puissants de Jésus-Christ. Peut-être vous vous dites, oh Florence, mais pour moi c'est bon, je manifeste cela. Alors tu es sur le bon chemin.
alors tu dois continuer de courir. Amen. Nous avons la possibilité de continuer de courir. 2 Timothée 3,16. Toute écriture, écoutez bien, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Si nous lisons la Bible sans le Saint-Esprit, nous lirons un livre historique. Mais si nous lisons la Bible avec le Saint-Esprit, alors nous allons découvrir l'amour de Dieu pour nous. Nous allons découvrir les révélations que le Saint-Esprit veut nous donner pour nous. Nous devons demander vraiment cette bonne influence dans notre vie. Toute écriture est inspirée de Dieu. Oui, ce sont les hommes, les scribes, les hommes qui ont écrit, mais chaque mot, quand vous ouvrez la Bible, vous savez quel amour j'ai pour la parole de Dieu. À chaque fois que vous ouvrez la Bible pour vous, c'est Dieu qui vous parle. Chaque mot est inspiré de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est vraiment la clé, la seule clé de la connaissance de Dieu. Est-ce que vous le croyez aujourd'hui? Amen. Alors dites avec moi, le Saint-Esprit est la clé de la connaissance de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est l'unique personne qui vient pour nous influencer positivement. Vous savez ce qui est merveilleux? Plus j'avance avec le Seigneur, plus je m'aperçois que c'est vrai, Dieu nous a tout donné en Jésus-Christ. C'est juste une question de foi, de sanctifier sa vie. Mais Dieu nous a tout donné. Quand Jésus-Christ est mort à la croix, pour que tout le mal que nous fassions soit pardonné, que l'éternité nous soit ouverte, à ce moment-là, nous devenons comme lui. Si nous l'avons accepté, qu'il vit avec nous, ayez foi en Dieu, vous pouvez le faire. Ce que vous êtes en train de vous dire là dans votre tête, je vous dis que c'est un mensonge du diable. Vous pouvez le faire. Vous pouvez accomplir ce que Dieu vous demande de faire. Parce que vous avez un potentiel en vous. Vous avez des talents en vous qui sont encore cachés, mais que le Saint-Esprit va révéler. Allez dans une bonne assemblée, allez dans une bonne église. Nous sommes dans une église vivante. Nous désirons que les âmes viennent et puissent rentrer vraiment dans leur appel pour servir Dieu. Si vous n'avez pas d'église, vous pouvez venir dans mon église, je vous assure. Il y a de la bonne nourriture spirituelle. Dieu vous aime. Dieu a mis du potentiel en vous. Et il ne veut pas que ce potentiel reste caché. Ne laissez plus le diable vous mentir. Ne laissez plus ces pensées qui viennent. Vous savez, le diable vient et injecte. Il ne peut pas lire dans vos pensées, mais il peut injecter des pensées et vous faire croire que vous êtes quelque chose que vous n'êtes pas. Vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie. Alors vous êtes quelqu'un de bien. J'ai quelqu'un de bien. Le Saint-Esprit est là. Et le Saint-Esprit vous visite encore et encore. Nous avons vraiment un pouvoir extraordinaire. Comme je le disais, nous avons tout en Jésus-Christ. Nous avons vraiment un pouvoir de marcher sur les scorpions et les aspics. Nous avons le pouvoir de chasser les démons. Nous avons le pouvoir de refuser le mal et de choisir le bien. Nous avons le pouvoir, non de « je ne regarde pas juste là, je visionne déjà plus loin, je suis déjà parti tellement ailleurs, je visionne grand pour ma nation, pour ma ville. Je visionne vraiment des âmes sauvées en multitude. » Nous devons être des visionnaires. Si vous avez quelque chose à faire et que vous n'arrivez pas, allez voir un homme de Dieu qui va vous aider à mettre en pratique ce que vous avez envie de faire. Nous avons le pouvoir, vous savez, d'être quoi? Excusez-moi peut-être le terme, mais d'être un fruit consommable. Quand le Saint-Esprit vient et nous influence, nous avons le pouvoir d'être un fruit consommable. Je me souviens, mon mari, vous savez, est alsacien, et je suis allée en Alsace chez mes beaux-parents il y a quelque temps.
Et à côté de chez eux, il y a un arbre et je voyais les pommes. Donc pour moi, c'était un pommier. Je n'ai pas regardé l'arbre, mais j'ai vu les fruits par terre et j'ai dit à ma belle-mère, ouais, c'est super, tu peux faire un peu la compote. Et elle me dit, ma fille, si tu savais, les pommes sont immangeables. Et là, j'ai commencé à regarder l'arbre. Je n'ai pas vu un pommier, moi qui suis normande. Je dis, est-ce que c'est qu'un pommier? Mais je n'ai pas vu le pommier, tellement il était ficelé de lierre. Du lierre partout, sur le tronc, sur les branches. On ne voyait plus l'arbre. Comprenez cette image. Tellement les mauvaises influences viennent sur notre vie que nous sommes étouffés et que nous ne pouvons pas être un fruit qui est consommable pour les autres. Nous devons être animés de la bonne influence du Saint-Esprit afin que nous puissions être consommés par les autres. Alléluia. Alors, quand nous pensons, quand nous parlons, quand nous agissons, vraiment laissons le Saint-Esprit. Invitez-le le matin. Dès que vous vous réveillez, laissez pas, ah vite, je suis en retard, oh, il faut que j'aille préparer le déjeuner, oh, il faut que je m'occupe des enfants. Non, invitez-le, viens Saint-Esprit, bonjour, viens. Viens passer cette journée avec moi. Invitez-le. Lorsque vous priez pour vos enfants, nous sommes des mères, je parle au cœur des mères, invitez le Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, viens, viens, je veux vraiment prier pour mes enfants, afin qu'ils soient sauvés. Afin peut-être que vous avez des enfants qui sont malades, viens, viens les guérir. Viens les protéger, les guérir là où ils sont. Le Saint-Esprit est le seul qui peut transformer une vie. Il est le seul qui transforme une vie. Il est le seul qui vient et qui convainc un cœur. Le Saint-Esprit est la seule personne qui viendra pour nous avertir de tout danger. Le Saint-Esprit est le seul qui viendra pour faire de nous des visionnaires. Le Saint-Esprit est celui qui vient et qui nous confirme que nous sommes des hommes et des femmes de foi, des héros puissants. Il nous confirme qui nous sommes. Alléluia. Il nous confirme qui nous sommes. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu vous a donné la vie? Oh, quelle grande question, Florence. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes sur terre et vous vivez? Pourquoi est-ce que vous respirez? Pourquoi vous êtes vivant? Je suis vivante pour vous aider à vous réconcilier avec Dieu. Je suis vivante pour vous annoncer l'Évangile. Je suis vivante pour vous annoncer que Jésus-Christ est le seul encore aujourd'hui qui a payé de sa vie pour que vous, qui étiez morts, maintenant vous soyez vivants. Pour que vous dire qu'il y a un avenir devant vous. Il y a de l'espérance. Pourquoi est-ce que vous vivez sur cette terre? Paul nous dira dans 2 Corinthiens 5, 11, quand nous sommes sous l'influence du Saint-Esprit, nous cherchons à convaincre. Nous cherchons à convaincre. Je cherche à vous convaincre que seul le Saint-Esprit est la bonne influence. Je cherche à vous convaincre que si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, aujourd'hui, c'est la bonne journée pour demander pardon. Pardon pour les péchés, pour le mal que vous avez fait. Et que vous puissiez être réconcilié avec Dieu. Aujourd'hui, c'est la bonne journée. Si vous avez un soupçon de doute de votre salut, aujourd'hui, c'est la journée pour que toute cette incrédulité s'en aille. Êtes-vous sûr? Êtes-vous sûr? Si là, la mort vient nous saisir, êtes-vous sûr d'être sauvé? Êtes-vous certain de votre salut? Avez-vous fait la paix avec Dieu? Avez-vous fait la paix avec Dieu? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez faire un signe de la main afin que je prie pour vous. Si vous n'êtes pas sûr de votre salut, si vous n'avez vraiment pas complètement donné votre vie à Jésus, si vous désirez vraiment vous réconcilier avec
avec moi, Seigneur Jésus. Je te demande pardon pour tout le mal que j'ai fait. Je te demande pardon parce que j'ai péché. Pardonne-moi et accueille-moi maintenant dans ton royaume. Je veux marcher avec toi. Je veux te suivre. Je veux aller avec toi. Et je veux être et découvrir cette bonne influence du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors concrètement, avant de conclure, que se passe-t-il quand nous sommes sous l'influence du Saint-Esprit? On pourrait tellement prêcher longtemps. Mais concrètement, j'aimerais juste vous donner quatre points. Lorsque nous sommes sous l'influence du Saint-Esprit, nous avons soif de Dieu. Nous avons soif et faim d'être dans sa présence. Nous sommes heureux d'aller dans l'église locale. Nous sommes heureux de partager avec les autres chrétiens. Nous sommes heureux de lire la parole de Dieu. Quand nous sommes sous l'influence du Saint-Esprit, nous manifestons la foi. Nous nous parlons à nous-mêmes et nous disons « Waouh, je suis bénie, je suis choisie, je suis morte. » Amen. Lorsque nous sommes sous l'influence du Saint-Esprit, nous pardonnons, nous rassemblons, nous avons un cœur pour rassembler et nous avons un cœur pour témoigner de l'amour aux autres. Nous manifestons le fruit de la joie, nous manifestons le fruit de la fidélité, nous manifestons tout fruit du Saint-Esprit. Mais nous devons croire, ayez foi en Dieu. Le prophète Ésaïe dit, chapitre 7, verset 9, « Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. » Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Vous savez que la foi et la fidélité ont la même racine en grec, pisti. Nous devons y croire et nous devons être fidèles, fidèles à lui. Et quatrième point, quand nous sommes sous l'influence du Saint-Esprit, quoi que je vois, quoi que j'entends, je reste calme. Comme a dit Ésaïe, chapitre 30, verset 15, c'est dans le calme et la confiance que se trouve la force. Alors d'une petite chose, on n'en fait pas une montagne. Et puis, d'une situation, on n'en fait pas une gravité. Nous restons calmes. Nous désirons, n'est-ce pas, manifester le fruit de l'Esprit. Nous désirons être vraiment sous l'influence du Saint-Esprit. Alors je vous invite à votre place, avant que la louange puisse revenir, j'aimerais que nous puissions proclamer quelques paroles. Vous savez que la parole est créatrice, que lorsque nous parlons, nous avons la puissance d'agir sur le domaine physique, sur le domaine spirituel. Je vous invite à vous lever tous à votre place, afin que nous puissions vraiment être libérés de toute mauvaise influence. Et que si c'est votre cas, que vous puissiez vraiment recevoir le Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit. Il est temps, n'est-ce pas, que nous devenions des hommes et des femmes spirituelles et que nous grandissions, que nous grandissions, que nous devenions matures, que nous devenions des adultes. Alléluia. Alors je vous invite à dire après moi, Saint-Esprit, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai pensé, j'ai parlé, j'ai agi selon les mauvaises influences de la terre, de la chair et du diable. Saint-Esprit, je veux te laisser influencer mes pensées, inspirer mes décisions, toucher tout mon être et me transformer pour devenir un chrétien mature et spirituel. Remplis-moi de toi, demeure en moi, imprègne-moi de ta vie, afin que je sois rempli d'amour, afin que je sois paisible et joyeuse, afin que je sois patiente et humble, afin que je sois gentille et douce, afin que je sois fidèle et calme. Je refuse tout esprit de jalousie, tout esprit de division et de dispute. Je refuse la
demeurer sous la bonne influence du Saint-Esprit. Amen. N'oubliez pas, Jésus-Christ est la lumière. Ce qu'il est, nous sommes. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes une lumière, un flambeau dans la ville, dans la maison où Dieu vous a placé. Croyez en Dieu. Prenez soin de ceux qu'il met en vous.